les amateurs de chambrette, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes, après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette, autocritique parfaite mais ça reste correct, pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette. J'arrive et je me pose, non surtout pas de close. Sur ce tempo tribal j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre et pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano Posse c'est un état d'esprit. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup.